Alors là, je suis sur la préparation d'un bouscouteau. J'ai déjà monté les blancs neige, mais 6 blancs neige. Et là, vous avez les 6 jaunes avec 2 verres de farine, 1 verre et demi de sucre, 1 quart d'un gobelet de fleur d'oranger, un sucre vanillé, une levure chimique, un peu moins d'un demi-verre d'huile. Et je crois que je vous ai tout dit, de toute façon, je vais vous l'écrire la recette. Donc là, maintenant, on va venir faire... Ah oui, et j'ai mis aussi un demi-verre de jus d'orange que j'ai pressé, jus d'orange frais. Et là, on va bien faire mousser toute cette préparation. Maintenant, on va venir incorporer délicatement les blancs à la préparation. Voilà, on obtient une pâte bien mousseuse. Le goût, je vous dis pas, c'est trop bon, on pourrait le boire tellement c'est bon. Et on va venir mettre maintenant dans les... Alors voilà, j'ai mis mon petit coup de spray dans mes moules. Et on va venir verser la préparation. Et on vient maintenant enfourner à 160 degrés pendant environ 1 heure. Ah, maintenant ça fait 40 minutes exactement. Je vous montre le résultat. Comme j'ai mis dans 2 petits pour faire 2 portions séparées, du coup ça a mis un peu moins de temps qu'habituellement. Et voilà nos beaux bouscoutous prêts. En 2 portions séparées, vous pouvez le faire sinon en une seule très grande. Bien monté, bien gonflé, c'est bien moelleux. Dès que ça a refroidi un petit peu, je vous en ouvre une pour que vous voyez.